Samuel Eto, une légende qui sort du lot, qui n'aime pas le faux et qui est resté pro. Eto fils est un grand footballeur camerounais, légendaire, connu pour sa carrière exceptionnelle sur le terrain et son engagement humanitaire en dehors des stades de football. Au-delà de son statut de superstar du football mondial, il y a une nation de sacrifice et de courage qui a façonné l'homme exceptionnel qu'il est devenu aujourd'hui. Né le 10 mars 1981 dans un petit village au Cameroun, Samuel Eto'o fils a grandi dans des conditions modestes. Dès son plus jeune âge, Samuel a été plongé dans le monde du football. Malgré les difficultés économiques de sa famille, Eto'o fils a toujours été passionné par le football et il a rapidement montré un talent exceptionnel sur le terrain. À l'âge de 16 ans, Samuel Eto'o a quitté sa famille pour rejoindre l'académie de Gadi Sport, où il a été repéré par des recruteurs du Real Madrid. C'était le début d'une carrière fulgurante pour le jeune prodige. Mais derrière les lumières et la gloire du football professionnel, il y avait des moments de doute et de lutte pour Samuel. Loin de sa famille et de son pays natal, Eto'o fils a dû faire face à de nombreux défis. La pression de performer constante. Tout cela aurait pu briser un joueur moins déterminé. Mais Samuel Eto'o fils n'était pas un joueur ordinaire. Il était un guerrier sur le terrain, prêt à tout donner pour atteindre ses rêves. Son passage au FC Barcelone a été le moment décisif de sa carrière. Sous la direction de l'entraîneur légendaire Pep Guardiola, Samuel a brillé et est devenu l'un des meilleurs attaquants du monde. Son partenariat avec Lionel Messi sur le terrain était redoutable et ensemble, ils ont mené le Barça à de nombreux titres, y compris la Ligue des champions de l'UEFA. D'autres clubs professionnels de renom ont profité de la détermination sportive et ont toujours été fiers de ses racines camerounaises. Soucieux du développement de son pays et du bien-être de ses concitoyens, c'est ainsi qu'est née la Fondation Samuel Eto'o fils, une organisation qui aide les enfants africains. Depuis sa création en 2006, cette fondation Samuel Eto'o s'est engagée à aider les enfants défavorisés à travers le continent africain. C'est une organisation à but non lucratif qui met en place des programmes éducatifs, sociaux et sportifs pour offrir aux enfants les meilleures chances de réussite dans la vie. La Fondation Samuel Eto'o fils s'efforce de lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme et les inégalités en offrant aux enfants les plus démunis un accès à l'éducation, à la santé et à des activités sportives. Grâce à ses nombreux projets, l'organisation a déjà aidé des milliers d'enfants à sortir de la misère et à construire un avenir meilleur. L'un des programmes phares de la Fondation Samuel Eto'o est son programme de parrainage qui permet à des enfants défavorisés de bénéficier d'un soutien financier pour leur scolarité, leur alimentation et leurs soins médicaux. Grâce à ce programme, de nombreux enfants ont pu retourner à l'école et poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. En plus de son action en faveur de l'éducation, la Fondation Samuel Eto'o organise également des activités sportives pour les enfants afin de les sensibiliser à l'importance du sport dans le développement personnel et social. Il faut savoir que le projet Fundesport est une branche de la Fondation Samuel Eto'o, déclarée d'utilité publique le 1er avril 2023 par un arrêté du président de la République du Cameroun. Elle a été créée en 2005 à la suite de l'édition inaugurale du Festi Espoir Eto'o qui était un événement pour les jeunes organisé à Douala. On peut citer quelques joueurs passés par la Fondesport: Fabrice Ongwa, André Onana, Yannick Adamou, Serge Leco, Maki Bagnac,
Bako, Alexis, Meva, Wilfried, Captoum, Fils, Paul, Tina, Tina, Armand, Ella, Alain, Richard, Ebouélé et bien d'autres. Parlons à présent des performances de Samuel Eto'o. 762 matchs, 370 buts en club, en équipe nationale, 117 sélections, 56 buts, 4 Ligues des Champions en 2000 avec le Real Madrid, 2006 et 2009 Barcelone, 2010 Inter de Milan, 3 fois champion d'Espagne, 2005, 2006 et 2009, une fois champion d'Italie, 2010. Une fois vainqueur de la Coupe du Monde des clubs 2010. Deux fois vainqueur de la Coupe d'Italie 2010 et 2011. Une fois vainqueur de la Super Coupe d'Italie 2010. Deux fois vainqueur de la Coupe de Catalogne 2004 et 2007. Il faut ajouter à cela qu'entre 1997 et 2000, c'était le Real de Madrid. 2000-2004, Mallorca, FC Barcelone, entre 2004 et 2009, Inter de Milan, 2009-2011, Angie Makashkala, 2011-2013, Chelsea FC, 2013-2014, Everton, 2014-2015, Sampdoria, 2015, Antalya Sport, 2015-2018, Konya Sport, 2018, Qatar SC, 2018-2019. Rappelons-nous qu'attirer l'attention d'autres clubs et est devenu un buteur de référence sur le terrain avec 54 buts en 133 apparitions. En 2009, Samuel Eto'o a été transféré à l'Inter de Milan pour un montant de 46 millions d'euros et il est resté un joueur très convoité par les clubs européens. Deux ans plus tard, il a signé un contrat de 3 ans avec Andy Makashkala, devenant ainsi le footballeur le mieux payé au monde avec un salaire annuel de 20 millions d'euros. Il est également considéré comme le premier joueur africain à avoir porté les couleurs du FC Barcelone et surtout comme le premier joueur africain de la Liga. De plus, il détient le record du plus grand nombre de récompenses pour un footballeur voyagé à travers le continent africain pour sensibiliser les dirigeants par rapport aux problèmes des enfants en difficulté. Il a visité des écoles, des hôpitaux et des camps de réfugiés, apportant à chaque fois un message d'espoir et d'inspiration à ceux qui en avaient le plus besoin. Pour Samuel, le football n'était pas seulement un jeu, c'était aussi un moyen de changer la vie de certaines personnes. Samuel est au fils et à la retraite, mais reste toujours présent dans les sphères footballistiques. Eto'o Fils, l'ancien footballeur camerounais de renom, a pris les rênes de la Fédération camerounaise de football en 2018. Depuis lors, il a su imposer sa vision et son leadership pour redonner un nouvel élan au football camerounais. Malgré les embûches et les défis auxquels il a dû faire face, et il fait encore face, Samuel Eto'o a su faire preuve de détermination et de persévérance jusqu'à présent pour mener à bien sa mission. Sous sa direction, la Fédération camerounaise de football connaît une véritable renaissance. Les infrastructures sportives ont été modernisées, les programmes de formation des jeunes joueurs sont renforcés et les équipes nationales ont retrouvé leur lustre d'antan. Samuel Eto'o a également mis en place des partenariats stratégiques avec des clubs européens pour permettre aux jeunes talents camerounais de s'aguerrir à un niveau international. Connu pour ses exploits sur les terrains de football, il a démontré sa générosité en créant un pavillon qui porte son nom à l'hôpital La Quintini. Cette initiative témoigne de sa volonté d'aider les plus démunis et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.
Samuel Eto'o, qui a toujours été engagé dans des actions humanitaires, a souhaité mettre en place ce projet pour venir en aide aux populations les plus défavorisées. En créant ce pavillon, il espère offrir un accès aux soins de santé à ceux qui en ont le plus besoin et contribuer ainsi à améliorer leur qualité de vie. Ce geste de générosité de la part de Samuel est salué par de nombreuses personnes qui voient en lui un exemple à suivre en matière d'engagement social. Le pavillon Samuel Eto'o est un symbole de solidarité et d'entraide qui incite chacun à se mobiliser pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Malgré les critiques et les controverses qui entourent parfois sa gestion, Samuel Eto'o reste un leader charismatique et respecté dans le monde du football. Sa passion pour le jeu et son engagement envers le développement du football au Cameroun font de lui un véritable ambassadeur du sport dans le monde. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, Samuel Eto'o a su redonner espoir aux jeunes footballeurs camerounais et leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. Son parcours exemplaire et sa réussite en tant que dirigeant sportif font de lui un modèle pour la jeunesse africaine. En dépit des défis auxquels il est confronté, Samuel Eto'o continue de se battre pour faire avancer le football au Cameroun et en Afrique. Son engagement envers le sport et sa volonté de contribuer au développement de sa communauté font de lui un véritable leader inspirant. De nos jours, Samuel Eto'o fils est non seulement un symbole du football camerounais, mais aussi un exemple de réussite et de détermination pour toute une génération. Son parcours exceptionnel et sa capacité à surmonter les obstacles font de lui un véritable héros pour le peuple camerounais. Samuel incarne l'excellence et la détermination dans le monde du football. Son leadership éclairé et sa passion pour le jeu font de lui un dirigeant hors pair au service du développement du football dans notre pays. Malgré les embûches et les défis, Samuel continue de se battre pour faire avancer le sport et pour inspirer la jeunesse africaine. Son héritage perdurera pour les générations à venir. Son exemple, son histoire est un exemple de résilience, de dévouement et de générosité qui continue d'inspirer des millions de fans à travers le monde. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Samuel Eto'o reste à jamais un héros pour tous ceux qui croient en la puissance du sport pour changer le monde.